bon dimanche. C'est mon émission. Bon allez, je vais reprendre la... Merci Ibrahim. La contrebasse, c'était bien, tu t'en es bien sorti cette fois-ci. Elle est belle cette chanson. Alors là par contre, je connais Ibrahim, il est crevé. C'est crevant de chanter, hein. T'as vu, c'est... Faut être là, ouais, machin, truc et tout. Je sais, là, vous savez quoi, je le connais bien. Là, il est crevé. Là, il rêve d'un truc, c'est d'aller se fumer un petit machin avec le reste de l'équipe dans les backstage. Allez, vas-y. Par contre, si tu roules un truc, tu prends pas dans ma valise. J'ai ramené de la ghanéenne, là, un truc... Bon bah... Puisqu'on est seul, vous et moi, je vais vous faire la chanson contestataire. Vous voulez ? C'est important, il faut... Hein. C'est une chanson... C'est une chanson très rigolote, vous allez voir, ça s'appelle la Java du caniveau. C'est l'histoire d'un mec qui perd son boulot, qui se retrouve à la rue, tout ça. C'est très sympa, vous allez voir. Ah. J'espère que... C'est... Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis, j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital. Le nécessaire avant l'envie, ma vie c'est devenu la survie. Ma maison c'est un carton d'emballage, l'habitat. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, pu voir les jambes et leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse, de devoir faire le petit numéro. Du messieurs dames, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé, je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour ça tombera peut-être sur vous, peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours, l'œil ébloui par la lumière des grands marchands de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres, des maudits, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur, ce sera les mêmes qu'en auront trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure, que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche, que vous soyez sale ou pas. Pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents. Vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs
et mon manteau. Oui, mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre d'être cocu, tous les exclus de la galette. On viendra reprendre notre dû, cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution, des millions de pauvres dans la rue. Ça va vous foutre un beau chahut. Et on s'en ira pique-niquer sur les belles pelouses de l'Élysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant, je vivais comme toi. Maintenant, je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour, ça tombera peut-être sur vous. Thank you.